Ah là 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 là, que c'est bon tout ça! Allez, salut tout le monde et soyez les bienvenus aujourd'hui pour la découverte du nouveau One Piece qui va pas tarder à sortir sur nos terres. Alors, on va baisser un peu le son. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué pour rentrer dans le jeu de temps en temps. On va encore baisser un peu, c'est un peu fort. Voilà. Avec cette musique épique, évidemment. Donc, le nouveau One Piece qui va pas tarder à sortir chez nous, normalement, si tout se passe bien correctement. Il est déjà en bêta test, donc au Japon. Et pour avoir joué les premières minutes de jeu, je peux vous dire que ça va être du très 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 lourd. Voilà. Donc, alors, malheureusement, la bêta test, quelques bugs. Voilà, notamment les voix ne sont pas, comment dirais-je, sont buggées, tout simplement. Il n'y a pas de voix. Voilà, malheureusement. Donc, il va falloir de temps en temps faire avec. Bon, j'imagine que, étant donné que c'est une bêta, voilà, c'est pas totalement nickel. Par contre, que vous dire à part que ce jeu est juste magnifique, voilà vraiment. Donc, One Piece Bounty Rush, normalement, hein, chez nous, je crois qu'il va s'appeler comme ça. Au Japon, je sais pas comment est-ce qu'il va s'appeler. Le jeu est énorme, et énorme. De part déjà les graphismes, d'autre part, ah, d'accord. Donc c'est là qu'on choisit son nom. Alors attendez, on va mettre un petit nom. Mettre pas que tir, allez hop. Le nom est déjà pris. Oui, c'est normal, je suis bête, j'ai déjà commencé une partie tout à l'heure. On va essayer Paco Team Gaming, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que le nom est trop long? C'est pas grave, on va mettre Paco Team 13. Et puis ça ira très très bien. Ok. Voilà. Donc alors, One Piece tout en 3D, un espèce de MMORPG free to play, multijoueur. Donc là, on peut voir directement que je suis avec d'autres joueurs sur la carte. Les différents Luffy qui cavalent, là, ce sont des vrais joueurs. Alors, il y a certaines personnes qui ont déjà eu des personnages de fou. J'ai croisé des Mihawks. Là, on a un crocodile. Donc, apparemment, il y aura énormément de personnages jouables. Donc voilà, je compte vous faire plusieurs épisodes hein, pour vous expliquer un petit peu le principe de ce jeu. Même si j'ai pas totalement tout compris, évidemment, c'est traduit en japonais, donc c'est un peu compliqué. En japonais ou en chinois d'ailleurs, je sais pas, j'ai un doute. Enfin bref, et il y a énormément de choses à faire. Donc alors, nous commençons avec Luffy niveau 1. On a le niveau personnage, on a le niveau joueur. Donc le niveau joueur, c'est notre niveau à nous. Et il y a pas mal de menus. Alors je vais commencer par le début. Donc là on a en fait tout simplement c'est le menu d'équipage, hein, le menu avec les personnages. Donc actuellement donc on nous a donné donc un Luffy en SR en 3 étoiles et un Cody rang R donc 2 étoiles. Voilà donc ça ce sont les deux personnages de base. Et évidemment par la suite on va pouvoir en débloquer pas mal. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais pas vous faire tous les menus maintenant, on les fera directement quand tout simplement le jeu va nous le proposer. Allez, on va lancer. Alors, les petites quêtes secondaires et principales sont sur la gauche, là, ce sont les petits carrés. Donc il suffit de cliquer dessus pour qu'on vous y amène directement sur, voilà, sur un PNJ par exemple. Et le PNJ donc va vous donner une quête. Et après, donc il suffira aussi de recliquer dessus pour aller accomplir cette quête, quoi. Voilà, c'est un peu automatisé. On a quand même la main, hein. On a quand même la main, la possibilité tout simplement de se déplacer librement. Voilà. Par contre, c'est vrai que pour une question de confort, c'est mieux quand même de le faire en mode automatisé. Donc, le jeu reprend exactement le scénario du manga. Donc là, nous sommes dans la première île où on va rencontrer Zoro, donc le chasseur de pirates. Et Zoro, donc, qui a été capturé par l'amiral. Non, c'est pas un amiral. Je sais plus comment il s'appelle, le mec avec la hache là. Donc alors malheureusement, bah, les cinématiques, il n'y a pas de son, hein, donc ça je pense que ça va être réglé, j'espère vraiment. Voilà, donc Zoro hein, qui est attaché comme dans le manga sur une croix ou un poteau là. Et Luffy et Cody donc hein, qui se sont rencontrés juste avant sur le bateau de la femme là, je sais plus comment elle s'appelle. Oh là là, c'est tellement vieux, c'est tellement vieux tout ça.
Alors, par contre, les graphismes, ils sont tout simplement magnifiques, hein, vraiment. J'ai l'impression de jouer sur une PlayStation 3 minimum, quoi. Vraiment, c'est tellement beau. Alors, la petite fille là, qui vient parler avec Zoro, je me rappelle plus exactement ce qu'elle lui disait. Ah oui, c'est qu'elle venait lui apporter à manger. Car Zoro a faim. Donc alors, vaguement, pour vous raconter un peu le principe du jeu, ça sera une sorte de gacha game, mais je suis pas 100% sûr, car j'ai pas eu encore accès en fait au système de gacha. Par contre, il est évident que l'on va pouvoir farmer pour pouvoir upgrader donc les différents personnages au fur et à mesure de l'histoire. Il y a aussi pas mal de modes qui sont bloqués au tout début du jeu et qui vont être débloqués. Plus vous allez augmenter votre niveau de joueur. Et du coup, ça va permettre aussi de pas mal farmer. Aussi bien que ce soit pour augmenter les étoiles des personnages, ou l'expérience, ou la puissance de vos attaques spéciales. Voilà, donc il faut savoir qu'on a une espèce d'arbre de compétences d'attaque que on peut débloquer. Voilà, donc avec plusieurs attaques, plusieurs types d'attaques que l'on va pouvoir améliorer, débloquer et équiper sur notre personnage. Je crois qu'on a le droit à 5 attaques par personnage. Évidemment, les attaques, plus elles seront puissantes, plus elles vont consommer de petits carrés. En fait, le petit carré, c'est tout simplement une espèce de jarre d'ATB qui va se remplir. Voilà, si par exemple, vous avez une attaque qui consomme 4 et que vous n'avez que 2 points d'ATB, ben, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, quoi. Voilà, cinématique terminée. On va pouvoir continuer donc un petit peu et on va aller donc se rendre devant Zoro. Ah, il y a un peu de musique, mais il n'y a pas les voix, d'accord. Alors, je me demande s'il y a les voix, par contre, dans la version finale, en sachant que là, nous sommes sur la version bêta, et le jeu pèse déjà quasiment 1 giga, donc c'est plutôt énorme. C'est plutôt énorme. Voilà, alors, autre grosse question que je me pose vraiment, c'est est-ce que le jeu va sortir en full français chez nous? Ça serait vraiment le minimum, hein, parce qu'il y a tellement de menus... Que, au final, ça serait même pour ceux qui s'en sortent peut-être facilement, l'anglais ça peut devenir quand même un peu compliqué par rapport à certaines techniques, des mots un peu plus complexes, on va dire. Voilà, mission principale terminée, on a gagné des points d'expérience et là nous allons commencer notre premier combat. Premier combat contre ce grand méchant là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui se fait le fanfaron. Le bras droit du capitaine Morgan. Voilà, c'était le capitaine Morgan qui avait donc la hache. Et le fil qui pète un plomb. Alors vous voyez le graphisme, c'est magnifique. On se croirait vraiment sur une console next-gen. Après je comprends pourquoi le jeu il pèse si lourd. Hein. C'est clair et net. Les textures elles sont juste lisses. Alors, ce qui est vachement sympathique dans ce jeu, c'est qu'il y a énormément de choses à faire par la suite. Allez, premier combat, donc. Explication. Alors, attendez, je vais décaler ça. Explication. Voilà, nous avons notre barre d'ATB. Nous avons une barre, la petite barre sur la droite, en fait, tout simplement, c'est le temps d'action. Et pendant ce temps d'action, on peut tout simplement faire n'importe quelle attaque spéciale qui est sur la barre de droite. Là, par exemple, on me dit de cliquer ici pour déclencher cette attaque. Voilà, ça c'est une attaque qui consommait 2, et là, une attaque qui va consommer 3. Voilà, donc un peu plus puissante, qui tape aussi plusieurs ennemis, peut-être, attaque AOE, et résultat, ça fait plus mal. Voilà, en bas, nous avons donc nos personnages, avec les tours d'action. Donc, les petits carrés hein, qui se remplissent à chaque tour. Alors, Cody, je crois qu'il a une attaque avec le balai, là. On va essayer de voir ça. Allez, ben, c'est terminé. Alors, évidemment, là, c'est le début. On n'a pas accès à tout. Un peu plus tard, on aura accès au combat automatisé. Ou alors, carrément, l'IA donc va gérer le combat. Ainsi que le déclenchement d'attaque spéciale. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez farmer, par exemple. Et que vous voulez pas vous embêter à choisir les attaques. Et voilà, donc ça permettra de farmer tout en regardant par exemple la télé ou en faisant quelque chose d'autre. C'est beaucoup plus efficace, on va dire. Voilà. Donc allez, c'est parti.
on va continuer. Je pense qu'on va faire une petite vidéo d'une demi-heure à peu près. Ou peut-être un peu moins, peut-être 20 minutes. On va voir ça. Donc Zoro, nous allons le libérer ou pas, ce Zoro là, parce que j'aurais bien aimé quand même qu'il se joigne à nous. Allez, je vais skipper. Alors, il y a les musiques originales, hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, voilà, s'ils arrivent à incorporer les voix, ça serait vraiment le top, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop, hein. Voilà. Donc, on est reparti pour un autre combat. Alors, j'ai pas vu quel niveau. On a toujours le niveau de l'ennemi. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les niveaux de boss, en fait. Tout simplement, vous avez une carte spéciale pour le boss. Avec différents combats, un peu genre à la Pokémon, une jarre d'arène. Voilà, c'est une jarre d'arène avec plusieurs ennemis. Et on va devoir donc se battre. Alors là, j'ai oublié de déclencher mon attaque. Voilà, attaque spéciale Cozy. On va déclencher l'attaque spéciale avec Luffy aussi, parce que malheureusement le mode automatique a été désactivé vu que j'ai recommencé une partie. Allez, je vais faire l'attaque Gom Gom. Une fois que la barre donc d'ultime elle est remplie, on a l'attaque ultime qui est disponible. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Allez, c'est fini pour toi. Au suivant. Voilà. Oust. Vilain. Donc, premier ennemi battu. On va se rapprocher petit à petit donc du boss du premier niveau. Évidemment, qui est assez facile. Donc là, il y a eux, là. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là. Il est tellement insignifiant dans le manga qu'au final... on se pose même pas la question. Avec son pistolet qu'il a du mal à manier d'ailleurs. Niveau 4, ennemi de la marine, niveau 4. Alors je vais déplacer ça là, sinon ça va m'embêter pour les attaques. Alors actuellement nous sommes à la vitesse normale, par la suite on aura donc la possibilité d'augmenter la vitesse des combats comme dans tout bon free-to-play de ce type, et en plus du mode automatisé. Donc du coup ça sera plutôt pas mal. Aïe. Ah, ça commence à piquer là. Voilà, c'est fini pour lui. Allez, des points d'expérience évidemment. Luffy vient de passer niveau 5 et Kobe aussi. Allez, la cinématique. Magnifique cinématique d'ailleurs, vous allez voir ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son, vraiment. J'espère que ça va être rectifié rapidement. Voilà, mission accomplie. Alors, normalement, je dois pouvoir faire quelques petites optimisations déjà d'entrée. Voilà. Donc, ça, c'est l'arbre de compétences, en fait, des attaques. Donc, chaque personnage aura son arbre de compétences. Des attaques qui vont être débloquables à partir de certains niveaux. Là, notamment, comme j'ai dépassé niveau 5, je vais pouvoir... débloquer cette nouvelle attaque. Alors malheureusement pour les noms il va falloir attendre. Et il faut savoir que toutes les attaques donc sont upgradables. Voilà, là par exemple je viens de passer niveau 2 et j'ai plus de points. Voilà, donc il va falloir attendre un peu malheureusement pour pouvoir débloquer d'autres attaques. Alors ça c'est bon, on va passer à la prochaine quête. Voilà, débloqué Zoro. Zoro va maintenant faire partie de notre équipe et ça c'est plutôt sympathique.
Alors, il faut savoir aussi que... alors voilà, là par exemple, on nous dit de débloquer donc une attaque de Zoro. Et de tout simplement la mettre donc dans notre panel. Allez, on va continuer la prochaine mission avec le Capitaine Morgan, combat de boss. Normalement, ça doit être le dernier combat de cette zone, si je dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite. Avec le fameux Capitaine Morgan, donc le premier gros ennemi, hein, on va dire, de Luffy lors de la série. Avec son bras hache. Allez, Morgan, level 6. Alors Zoro, vous allez voir un peu le skill qu'il a, il est terrible. Il est terrible ce Zoro. J'adore. Vraiment un de mes persos les préférés. Hein. Allez, on peut toujours pas mettre le mode automatique, dommage. Ah si, ça y est, on a enfin accès au mode automatisé, donc ça c'est plutôt cool, comme ça je pourrais me concentrer voilà, directement sur mes explications, ça sera plus facile. Donc alors chaque personnage aussi a des attributs, là par exemple Morgan m'a fait saigner Luffy, donc c'était un malus hein, tout simplement, j'imagine que je vais perdre des points de vie, voilà, moins 11 points de vie, c'est un peu comme type poison quoi en fait, hein. À chaque tour ça fait perdre des points de vie. Oulala, ça va faire mal. Ah, il est toujours pas mort, hein. Incroyable. Oh, il fait mal, le salaud. Mais bon, normalement, ça doit être la dernière attaque. Allez, Zoro, tu vas le terminer en beauté. Zanket Sekai. Et voilà, victoire. Ah, j'adore Zoro. Ok, niveau 6. On dirait que tous les personnages quasiment sont au niveau 6. On vient donc de dropper de l'or, des points d'expérience. Donc ça, c'est pour upgrader l'expérience des personnages. Ainsi qu'une arme. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a de l'équipement à équiper sur les personnages. Et ça, c'est plutôt énorme. Parce que du coup, ça va permettre d'upgrader ces personnages encore d'une certaine manière, encore différente. Et voilà, donc ça c'est vraiment génial quoi. Ça y est, combat terminé, petite cinématique. Et Zoro qui sauve Luffy in extremis. Bravo. Combat terminé. Alors, on nous encore un petit tuto, donc Zoro, voilà, on va nous apprendre comment tout simplement équiper les accessoires ainsi que les armes, en sélectionnant l'arme, en l'équipant, voilà, on gagne plus 9 d'attaque, ce qui monte plus 190 de puissance d'équipe, voilà, parce qu'il faut aussi savoir qu'on a une puissance d'équipe qui est affichée tout en haut à gauche. Voilà, je suis à 10 370 actuellement. Évidemment, plus on va progresser dans l'histoire et plus cela va monter. Allez, je pense qu'on peut se rendre donc jusqu'à notre prochaine destination. Avant de se quitter. Allez, on va valider la petite mission. Voilà. Et on a débloqué aussi Kobe, mais je l'avais déjà Kobe, hein. J'ai pas trop compris ce qu'on a débloqué là. Alors il y a quelques missions secondaires hein, qui sont affichées en bleu là. Mission secondaire aussi qui permet de gagner quelques objets, ainsi que quelques points d'expérience. Donc ça serait bien de les faire quand même. Voilà, surtout que c'est vraiment pas très long à faire. Voilà, nous avons gagné pas mal de choses, malheureusement je peux pas savoir ce que c'est, étant donné que ce n'est pas traduit. Et on va se rendre donc pour notre prochaine destination du mode histoire. Allez, on embarque avec en compagnie de Zoro, notre premier compagnon.
Et on quitte donc l'île, je sais plus comment s'appelle cette île, en ayant libéré, entre guillemets, la ville du tyran. Et donc on va se rendre à notre prochaine destination. Et vous allez voir que ça suit parfaitement le scénario. Hein. Si seulement il y avait des bruitages, ça serait encore mieux. Tiens, tiens, tiens. Mais qui est cette jeune femme qui court? Énorme. Et voilà, nous voici sur la deuxième partie, la deuxième île du jeu. Mais on va garder cette île pour la prochaine vidéo. Donc nous sommes niveau 8, nous avons déjà un peu progressé, ça fait plaisir, on a un personnage supplémentaire, on a Zoro. Et là nous arrivons donc sur l'île avec le scénario de Nami, où évidemment comme vous pouvez prévoir, nous allons libérer Nami. Voilà, et ça sera dans un prochain épisode. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour suivre donc les prochains épisodes et pour suivre évidemment le scénario. Et vraiment croiser les doigts fort fort mes amis pour que ce jeu il sorte en français rapidement et ça va être de la bombe. Ça va être une tuerie, voilà. Bon bah écoutez, allez je vous laisse, bonne journée à vous, à très bientôt pour le prochain épisode, bye bye.